Good night, fairy. Oh. Not you nice to be a good night. Not you nice to be a good, good night, fairy. Ooh. Not you nice to be a good night. Not you nice to be a good, good night, Viking. Ooh. Not you nice to be a good night. Not you nice to be a good, good night, Viking. Ooh. That you nice to be a good night. That you nice to be a good, good night, Ving. Ooh. Wesh les mecs! Wesh, 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 wesh les mecs! Comment je suis trop heureux! Comment je suis trop heureux! Oh là là! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable de rejouer! Et de vous revoir tout ça comme ça en live. C'est ouf. C'est incroyable. Nouvelle carrière, on commence direct la carrière joueur. Les mecs, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Équipe actuelle. Créer nouveaux joueurs. On n'a pas de temps à perdre. Et c'est James Wood, les mecs, son nom. Son nom sera James Wood. Avant tout ça, on va faire un mec à peu près. À peu près 1m60. Ouais. Comme ça, il est bien. Créer un manager, s'il te plaît. Ouais, ça sera après. En fait, là, dans ce live, on va créer carrière joueur. Après, on va créer carrière manager. Et ensuite, on sera. Et ensuite, on fera carrière joueur. Ensuite, on commencera carrière joueur. Et peut-être après, si je peux, peut-être, on commencera carrière manager aujourd'hui. Si je peux avoir. Avoir. On va prendre ça. Non. On va prendre ça, mais on va changer quand même pas mal de bail. Carnation, on va jouer, c'est comme ça. Ok. Donc, créer assez. Je vais pas rester pendant grave longtemps ici. Donc, juste on essaie de créer un joueur bien carré. Juste on essaie de créer un joueur carré. Ça franchement une bouche un petit peu plus fine comme bouche fine c'est très bien. On va pas prendre une grosse bouche, on va garder petite. Ok, comme ça on est bien. Yo Call of Gamer, ça va ou quoi? Ok, pour mettre machin, on regarde celle-là. Manteau en vrai, je prends celui-là. Oreille, on touche pas. Si, attends. Voilà, c'est celui-là. Je prends d'habitude après. On va voir peut-être des nouvelles coupes ou des bails comme ça.
Très bien pour l'instant pour commencer avec notre joueur. J'étais sur, pour ceux qui connaissent Junior, j'étais sur le live de Junior. Créer son joueur, ils ont voulu prendre la même coupe. Donc on va partir avec la même coupe. Hein. Attends, il est où? Non, c'est pas celui-là. Elle est où, elle? Elle est où, la coupe? Celle-là? Impossible, c'est celui-là. Non, c'est pas celle-là. Dommage, y'a pas Erwan qui pourrait m'aider. Parce qu'Erwan, il était à ce moment-là aussi sur l'élève du junior. Dommage, attends, on va avoir cheveux de million. Attendez. Et je crois que c'est celle-là en fait. Il me semble que c'est celle-là. Ou celle-là peut-être. Ça va ou quoi du coup, Coop Gamer? Tu m'as pas répondu. Bah écoute, on va prendre celle-là. Va faire comme ça. Il va être comme ça, notre joueur. Tac. Non rentré. Manche maillot pour l'instant, il va rester comme ça. Chaussettes. On va mettre chaussettes hautes. On va mettre chaussettes hautes. Parce que ça va être un technicien, notre joueur. On va mettre chaussettes hautes. Chaussures, j'ai vu qu'il y avait des jaunes. Il y avait mes crampons dans la vraie vie, donc on n'hésite pas. C'est ceux-là, mes crampons dans la vraie vie. Donc on n'hésite pas. On va prendre ceux-là direct. Ou alors les Nike Tempo Elite. On va commencer avec ceux-là. Wesh le sein, wesh Erwan, ça vaut quoi? Wesh Jess, ça vaut quoi les BG? Ouais, on va prendre ces crampons-là. Ouais, non, peut-être avec le club qu'on va commencer. Je crois qu'il y a que ceux qui sont sur le groupe Snap qui. Enfin, qui savent où est-ce qu'on va commencer. Je crois pas que je l'ai dit dans la communauté. Mais le dieu rien. Parce que jaune. Ouais, jaune en fait. En vrai, ça va être bien. Jaune, ça va être bien avec la couleur du maillot. Oh! Jaune ou celle-là, les mecs? Jaune ou rouge? Dites-moi jaune ou rouge. Pour l'instant, moi, je vais choisir autre chose. Fait nos joueurs. Ouais, attends, attends. Jaune ou rouge. Mais mon joueur Erwan, je sais pas où est-ce qu'elle est la coupe que Erwan il avait. Que Junior a pris avec son joueur. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle est, regarde. Répiosité, ça c'est beaucoup trop. Donc regarde les cheveux, je sais pas. Je sais pas si c'est ceux-là. Ou alors. Si c'est ceux-là. Je crois pas. Hein. C'est pas ceux-là. J'ai l'impression que c'est pas ceux-là. On va voir le tuto de Zaki. Ah, il a fait tuto? Ok, attends. Attendez les mecs. Après moi je veux pas qu'il ressemble bien, c'est juste pour la coupe hein, que je vais regarder. Mais parce que. Wesh, 25 minutes le tuto. C'est abusé. Du coup, chaussures, les mecs, rouge ou jaune? Moi, je dirais plus jaune avec le maillot qu'on va avoir. Allez, accélère!
Mais j'avoue, attendez. Déjà pour les sourcils. Ils sont 10 fois mieux ses sourcils qu'il a pris lui. Donc tac. Un petit nez comme ça. En vrai ça va, moi je dis il est pas mal comme ça. Mais jaune, ouais. Je vais prendre jaune. Dis il est bien comme ça, mais je vais peut-être le mettre un peu plus petit et faire 1m77. Je vais peut-être le mettre à Ok, attendez. Tac, 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 tac. Les cheveux courts. Il est à côté d'une coupe Comas. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, frère. Ouais, j'ai pas sa coupe ou c'est comment? Wesh. Ah non, tu vas faire Zaki, non, non. J'ai pas sa coupe ou c'est comment? Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas du tout ça. Après peut-être t'es sur PS4. Ouais. Je me dis que c'est peut-être pour ça aussi. Bon bah moi je vais partir avec une coupe comme ça. Hein. Ça vous va les mecs une coupe comme ça? Je l'ai vu je crois où? Il y a toutes les coupes qui ressemblent, je les mets. Hein. Oui, une autre coupe. Ouais mais tu veux que je mette quoi comme autre coupe? Oh, j'ai une petite idée. Je suis chaud, on va dans accessoires. Attendez. Je suis chaud, on fait avec accessoires. S'il y a la coupe que je veux. Avec un accessoire, c'est incroyable. Accessoirisé. C'est vraiment une coupe taragriliche. Vous aimez pas les mecs pour un anglais comme ça? Vous aimez ou pas les mecs? Dire que tu mets la même dans tous les deux pro. Comment ça, deux coupes? Non. T'abuses, mets ça. Vas-y, bon, je suis chaud. Je t'attends. Je suis plus chaud, on le met comme ça. On le met comme ça ensuite. Maille, on a tout fait. J'aimerais bien prendre une... Greedy, enfin non, parce que tout le monde l'a déjà pris. Après ça fait un peu, enfin après ça fait un peu comme tout le monde, ça fait un peu mec qui fait comme tout le monde. Mais attendez, est-ce que déjà j'ai crédit? Est-ce que déjà j'ai crédit? Ça c'est même pas sûr. Comme je suis sur PS4, c'est même pas sûr. Fait un Ghanéen. Non c'est un anglais. James Wood. C'est ça que je vais mettre. Bon, c'est ça que je me suis dit que j'allais mettre. Pour la danse. Ok, non, c'est claqué. Yeux et bras. Moi, je vais mettre glissade et salgu. Comme vous savez qui. Mais tu en feras un ou pas? Non, non, c'est un... Après, peut-être pour les prochains devient pro. Hein. Peut-être, qui sait? Peut-être un Ghanéen, un Marocain, un Sénégalais s'il y a dans le jeu. Qui sait? Mais pour le moment, non. Pour le moment, on commence avec James Wood. James Wood.
Promis à Newcastle qui va commencer à Lyon. Il va juste faire je veux foot. Il va Sénégal dans une mise à jour. Ok, ça c'est carré ça. Du coup, ouais, je vous ai dit, hein, je vous ai dit où il va commencer, mon joueur. Donc, ouais, donc vous savez désormais, formé à Newcastle. Formé à Newcastle. Et il est carré comme ça, non? Formé à Newcastle. Et oh, comme ça, il est carré. Formé à Newcastle et commence à Lyon. Je le trouve grave carré, moi, comme ça. Je kiffe. Oh, il y a les blanches aussi. Un mec, le maillot qui sera blanc. Pauvre jaune. James Wood, GXM. Bah, moi, c'était mon idée. Et après, bah, c'est vous qui avez choisi, hein. Après, t'en étais moins, Erwan. J'ai demandé. C'est pas comme si j'avais choisi que moi. J'ai demandé. Mais bon. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, mec, attendez. Je vais essayer de vous faire. Bête de truc. Où il commence? Il commence à Lyon. Il commence à Lyon. Ok, on est parti. Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti! Pour un déplacement à Lorient. Ah ouais, ok. Ça va, Nathan, ça va, tranquille, hein. Tranquille, toi, Noah. Tranquille, toi, Noah. Créer une nouvelle carrière. Créer une nouvelle carrière. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour bien s'y retrouver, pas mettre carrière joueur 1, carrière joueur. Carrière joueur 1, carrière joueur 2, carrière joueur 3. Non, ça c'est éclaté. James Wood, au moins on s'y retrouve. J'espère que c'est cinématique. J'espère aussi. Let's go, Risa! Je vous laisse avec les cinématiques, je parle pas. Je vous laisse avec les cinématiques. Hein. Très bien, les gars, venez par ici! Vous avez forcément remarqué qu'il y a de nouveaux visages. Aujourd'hui, on va commencer à voir qui mérite d'être titulaire dans l'équipe. On le sait, la saison va être longue. Accueillez les nouveaux comme il se doit, ok? Bien! Bon, à toi de jouer. Ouh là 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 là. C'est incroyable. C'était ultime. Non, même pas, même pas. Tu penses que je vais gagner, Nat? Bah, j'espère pour toi. Ouh! Investissement, investissement. Mais je pense, ouais. Noah, pardon. Salut les coéquipiers. Travaille dur dès maintenant. Je travaille dur dès maintenant, moi. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'est. Même moi, je pensais que j'allais pas voir les cinématiques. Après, quand j'ai vu Call of Gamer, qui était sur PS4, qui avait toutes les cinématiques aussi, je me suis dit. Pardon. Pardon. Je me suis dit, je vais peut-être avoir les cinématiques aussi. Là, j'ai gagné un peu d'espoir. Attends, participer à un cours sur la motivation. Un cours de danse. Bon, après ça, j'ai déjà tout vu. Si j'ai déjà tout vu, participer à un cours sur les RP, participer à un cours sur la motivation. 15 000 balles pour acheter un vélo haut de gamme. C'est quoi le truc le plus cher? Installer une piscine à la maison. Oh, 86 000. T'as pas de sous. Oui, bah je sais. Je sais, je sais, je sais, on vient de commencer, c'est normal. Après ça, les mecs, je pige que dalle. Je ne comprends que dalle avec les points solitaires et tout, donc vous allez m'aider. Je dois les manger, ciao. Vas-y. Je suis en train de m'installer. Ok. Oh là là, il est incroyable. Il est incroyable maintenant, les mecs.
je vais vous laisser. On va se retrouver du coup. Là, l'écran va être bleu un peu. Et puis après, je vais vous laisser. On se retrouvera. Enfin, je serai toujours en live, hein, mais on va faire la carrière. On va créer la carrière manager. Cette fois-ci, celle de Newcastle. On crée celle de Newcastle ou alors celle du PSG, les mecs? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Coucou Hugo. Voilà, les mecs, l'écran est bleu. Vous m'entendez toujours normalement? Mais l'écran est bleu. Donc, ouais, dites-moi, vous préférez quoi? Préférez quoi, les mecs? On crée d'abord celle de Newcastle. Dans tous les cas, il y aura les deux. Hein. Dans tous les cas, il y aura les deux. Mais vous préférez qu'on crée laquelle au début? Enfin, laquelle pour commencer? Les mecs, je suis en train de vous mettre une petite vidéo en ligne. Le titre sera juste, je vous donne juste le titre. Le titre sera le début de la carrière de James Wood. Et ça sortira peut-être vers 15h ou un truc comme ça. Parce que 18h, il y a déjà une vidéo. Voilà, du coup, c'est parti. Maintenant, nouvelle carrière. Newcastle du challenge, pas Paris, trop simple, il faut découvrir. Ouais, mais on fera les deux. On fera les deux. Paris, ça sera sur Twitch. Et Newcastle, par contre, ça sera sur... sur YouTube. Newcastle. Ok. Comment on l'appelle, les mecs? Donnez-moi des noms. Donnez-moi un nom. Dites-moi comment on l'appelle. Attendez. On met quoi? On met anglais du coup aussi. Hein. Faux accessoires pour wesh. Faut un accessoire, faut faire daron pour les coachs. Mais pour une pilosité, non. On va se mettre comme ça. C'est gueule. On va se mettre comme ça. Par contre, la barbe en noir. Anglais James Bourne. James Bourne, ok. Ok, James Bourne. Et après, je pense de faire un français. En vrai. On fera un français pour qui va commencer à Paris. Mais là, dès le début, un mec qui... Est-ce que les mecs, ils vous plaît déjà comme ça? Est-ce que déjà, il vous plaît comme ça? Oui, stylé. Ok, c'est carré. Maintenant, tenue. On va lui mettre veste. On est en été, mon ref. Donc aucune veste. Pantalon de costume. Noir, histoire de mode, j'en ai pas. Chaussettes, bon, on s'en fout de toute façon. Par contre, chaussures, on va mettre. Ah. Chaussures noires, voilà. Comme ça. Comme ça, les mecs.
Il y a un vrai flou. Ok, donc c'était quoi? C'était James Bond. Là, on va créer vite. Et en plus, le mec, il est stylé. James Bond. Et après, on part direct pour commencer avec Lyon. Anglais, donc tout ça, c'est bon. Ouais, mec, donnez une note sur 10. Donnez une note sur 10 à cet entraîneur qui va commencer à Newcastle. Amadel. 8. Oh, c'est carré, 8 sur 10. Erwan Born. N'abusons pas quand même. Ça fait plus français, ça fait plus anglais. Salut Galitos. 8, 8 et demi. Oh, c'est carré. C'est carré, vous kiffez. Ouais, j'ai Galitos. Ça vaut quoi, mon ref? Et là, c'est James Wood, c'est notre joueur. Et James Bourne, c'est notre entraîneur à Newcastle. Je vais mettre tac tac. Est-ce qu'il y a des cinématiques là aussi, les mecs? Est-ce qu'il y a aussi des cinématiques, les BG? Ah, Hugo, faut pas écrire en majuscule. C'est excellent, et t'as dit. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Ça va pas être une vidéo. Allez, c'est parti. On n'avance pas plus, les mecs. Hein. On n'avance pas plus. Tac. Tac. Attends, faut que je prenne pour les miniatures. Salut mon ami. Ça va? Moi ça va et toi, Galitos? Ça va moi. James Wood, c'est le fils de l'entraîneur. Vas-y. Ça me va grave. En fait, je suis en train de prendre des photos de mon joueur pour les minia et tout et tout. Bon. Sur toutes les photos, on voit le petit 0€ au-dessus. Ça fait plaisir. Ouais, il est arrivé dans le team nouveau. Bah oui, James Wood. Qui est anglais et qui commence à Lyon, donc si vous comprenez pas, c'est normal, faut vous expliquer. Il a été formé, ce petit jeune, les mecs, a été formé à Newcastle, et en revanche il a pas commencé pro à Newcastle, il va commencer pro à Lyon, donc voilà. Mec, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en te vieux vite, vite fait, ce que représentent les points virtuoses, les points, tous les bails comme ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que cela
représente. Je m'appelle Gagi et je me dis Gagitos. Alors moi je vais t'appeler Gagitos, comme c'est ton pseudo. Ouais, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer vite fait un peu? Pour que j'en sache un peu plus sur les points virtuoses, les points... Je sais même pas comment ça s'appelle les autres. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle les points virtuoses, après les autres points en bleu, en violet, des trucs comme ça, je sais pas. Après, il n'y a pas un bail de points social, je sais pas quoi. Parce que j'ai essayé, enfin j'ai regardé, je vais pas vous mytho, j'ai regardé quelques trucs et tout, mais j'ai essayé de pas me spoiler. Là, il y en a plein qu'on FIFA depuis quelques jours déjà maintenant. Et puis, moi, je l'ai reçu hier. Donc, j'ai fait tout l'installation et tout hier. Et puis, j'ai essayé de pas me spoiler. Tout simplement. Là, je passe à côté de tout. Là. Ok, non, c'est bon. C'est bon, c'est carré. Ah. Mais pas le 10, c'est pas réaliste. Monument qui est réaliste d'un prêt. Ouais, vas-y, si tu veux. Si tu veux, on va mettre le 44. Mais après, j'ai pas envie qu'il y ait des bugs de trucs et tout. Et qu'à 26 ans, on se retrouve avec le 44. Alors là, on va apprendre à tirer. Oh! Pas mal pour un premier coup franc. Bah en piqué, on essaye. Non, il n'y a pas de bug. Ok. Ah oui, c'est moi, il faut que je finisse. Ah ouais, mais j'avais pas capté. Ah oui, je vais pas réussir en fait, moi, cet exercice. Oh. Si je le mets, c'est incroyable, dommage. Let's go! Ah, en plus, c'est carré. Ça va ou quoi? L'école. Bon, ça va tranquille. Réponds-moi. Tu mets quoi? Tu joues sur quoi? Je joue sur Play 4. Play 4, bon, c'est stylé coup franc, ouais, c'est vrai. Bon, faut pas oublier qu'il est gaucher, mon joueur. On va essayer de se mettre du pied gauche. Merde. Déjà qu'il est pas monstrueux du tout. On va essayer de... Mais non! Bon, ça, je vais recommencer, grave. Ok, on recommence. Non mais tu vois les premiers je peux pas les louper. Wesh, non mais je suis trop lent.
Je fais tout, mais en beaucoup trop lent, en fait. Bon, je réessaye la dernière essai. Hein. Oh là là, D, c'est pas ouf. Tu vois, j'ai pris le Gabriel Gardien. Jure, c'est trop dur alors. 2271, déjà. Oh que ça va vite. Oh que ça va vite en Ligue 1. J'ai eu une heure galérée contre Annecy. Avec Annecy, pardon. Pour avoir des sous. Et là. Oh que ça va vite. Amadel, Amadel, il faut utiliser cet exercice. Ah ouais. Bah, je vais pas garder ces exercices alors. Je vais pas faire un bac le gardien. Je vais en faire un autre. J'essaie de rester en tir. Je vais en faire un autre. Moi, dès que je peux, les mecs, je vais claquer, on va acheter le trampoline. Attendez, juste. Je modifie. C'est pas ça que je vais faire. Un truc normal. Ok, juste je fais cet exercice là. Pote, moi aussi je t'aime, moi aussi je vous aime tous les mecs. Vous êtes les seuls. Tous. Vous êtes les boss, les refs. Et sachez-le. Sachez-le tout ça, les gars. Premier live d'une longue aventure sur FIFA 23. On a toujours fait zéro match, mais premier match d'une longue aventure. C'est bien joué. Merci mon ref. Merci mon ref Galitos. Ça fait plaisir. Non. Non mais wesh. Je recommence. B, alors je recommence. Ouais, je suis dans un truc normal, frère. Difficulté normale. Excuse-moi, faut que j'ai A. Dans les deux premiers qui sont difficiles, j'ai eu A. Et ben dans le donc c'est le normal que je fais. Déjà, j'en fais un, c'est pas ouf. Normalement, il faut que je fasse que des difficiles, là, j'en fais un normal. Bon. C'est pas ça qui va m'empêcher d'évoluer, hein. Mais faut que j'ai A, par contre. C'est parti. Aïe! Erwan, je ne pas qu'il nous à surveiller sur Ultimate Team. Ah ouais! Là, tu pas direct, toi. Nunez. T'as pas que Nunez. Ah oui, du coup, attendez, les mecs, on va aller dans activité. Je vais m'acheter un trampoline. Point fiable. Et mec, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tout ce qui est point fiable, point solitaire, point fiable, point virtuose? Est-ce que les mecs, quelqu'un qui a le jeu peut m'expliquer? Ou quelqu'un qui n'a pas le jeu mais qui peut savoir? Oh, préparation son anniversaire. Une fête avec les personnes que vous connaissez, la fête la plus tape à l'œil qui soit.
Ouais, on est préparation d'anniversaire. Mon anniversaire est déjà passé là. Donc je mon anniversaire est déjà passé. Le 13 juillet, c'est déjà passé. Hein. Ah, je t'ai dit, c'est ton caractère. Ah, ok. J'avais pas vu, j'avais pas vu. C'est incroyable. Ok. On a plus 71 euros. Pourtant, on parle pas, mais Junior, il doit gagner à mort. Je sais pas qui est Renato. Ah ouais. Junior, il doit gagner beaucoup de sous maintenant qu'il est à Arsenal. Il est sur quoi? Sur du 80 000 par semaine, 100 000. Aussi, je vais avoir fait 23. Ok. On rentre AG à la place de Cherki. Ok. On rentre AG à la place de Cherki. 800K. Ok. Mais je sais pas combien on est, mais je vois que ça augmente quand même beaucoup plus vite que à Annecy. Donc tant mieux. Donc tant mieux. Ah oui, merde, c'est vrai. Ouais, je vais changer. Ouais, je les entends pas fort là. Omari. Ça va faire contre les mecs. Ah, Omar, faut que j'entende. Omar, les mecs, je veux l'entendre. Là, je n'entends quasiment pas dans mon casque. Est-ce que les mecs, vous les entendez bien? Je vais essayer du dégât, ouais. Ouais, bah s'ils se font pas copier et tout, ouais, je garde. Ouais, je vais laisser la red. Pourquoi toi, tu les laisses pas? C'est qui, c'est la casette en BU? Pourquoi, moi, toi, tu les laisses pas? C'est la casette, il y a même pas que ça fait 22. Ouais, bah, je pense. Mais je les entends. Est-ce que vous les mecs, vous entendez bien? Parce que si vous entendez bien, c'est carré, mais moi je vais augmenter un peu. Parce qu'en soi, Hervé Matou, pour tout vous dire, l'année dernière, j'en avais rien à foutre. Hervé Matou, frère, ça y est, ça fait 15 ans, il était là. Contre la Pajama et Omar, j'en ai pas rien à foutre. Surtout Omar qui va amener son esprit un peu folklore, folklore. Dans le jeu, ça va être. Enfin, là, c'est déjà incroyable parce que je pense que vous les entendez. Je vais manger, augmente un peu. Ok. Vas-y, bah bonne app. Et puis je vais augmenter, t'inquiète. Je vais augmenter, je vais augmenter. Tu me manques un mois? Non. Non, moi je suis pas marocain. Pourquoi? Toi t'es marocain, Galitos? Le premier but! Le premier but! Non, moi je suis pas marocain. Le premier but! J'entends rien par contre, c'est sûr.
Le premier but de James Wood. Premier but de James Wood dans sa petite carrière pour le moment. Ça va être un génie, ce mec. Ouais, donc on va. Après, on va enlever le numéro 10, on va prendre le numéro 44, je pense. Comme Hugo expliquait. 44. Et ensuite. Ensuite, avec le numéro 44, on va. On va garder notre. Enfin, on va prendre notre place de titulaire. Déjà pour commencer. Je veux être titulaire de cette équipe. J'ai James Wood, 8 de notes. Son premier match en tant que pro. Déjà un but. C'est plaisir. Enfin, première rentrée, hein, parce qu'il joue même pas. Il est à peine rentré. Et mec, James Wood ne sera pas BU. Hein. On est habitué, enfin, vous êtes habitué au BU sur la chaîne avec Rodrigo Natinho ou encore Leandro Di Nero. James Wood ne sera pas BU. Il sera AG ou AD. Il sera aigri. Et let's go doublé. Let's go doublé. On va. Et puis après, les mecs, vous pouvez mettre des drapeaux anglais si vous voulez. Pour ses buts. Ok, c'est bon. Oh là là. Je vais mettre en légendaire. Là. En légende. Attends. Oui, je suis marocain. Ok, ok. Et j'ai encore pensé à notif. Ah, bon. Ça, par contre. Bon, en tout cas, c'est le principal. Tega et Owen, retour de FIFA 23. Ça va, bah écoute, moi ça va tranquille. Hein. Et toi, en tout cas, c'est le principal. Owen Tega pour le début de cette carrière FIFA 23. Voilà. FIFA 23. Déjà premier match, doublé, une passe D alors qu'on rentre en champion, donc je vais passer en légende. Et puis je vais monter un peu le... Je vais monter un peu le son des commentateurs. Donc voilà, donc t'as vu le nom Erwan, c'est James Wood. C'est James Wood son nom. Il est anglais. C'est parti. Il est anglais et voilà. Hein. Il va être numéro 10, mais il va pas être numéro 10, il va être numéro 44. Pour ses premières saisons à Lyon, il va être numéro 44. Après, plus il prendra de la place dans l'effectif, bah plus il sera numéro 7, numéro 10, numéro 11. Je fais une carrière avec Paris. Ok, ok, t'as déjà fait 23? T'as fait 23 là, Ewen? Ou pas. Let's go, donc Tolisso doublé, Wood doublé et TT un but. J'ai mis 2 buts de passe. 10 matchs, 9,8 de notes. Ok. Oui, j'ai fait 23. Ok, ok, ok. Bon. Je vais vite augmenter les commentateurs. Parce que si les mecs, si j'entends pas. Attendez, modifier, prenez. Si je les entends pas, ça va vite me saouler. Paramètres. Déjà légendaire.
7, frère. Rien à foutre. Même pas, ouais. Je mets à 8. Rien à foutre. Je veux les entendre. Ah, mais je m'en fous. Omar, je veux l'entendre. Attendez, mec. Je rends pas cirque à chaque fois. On a 5000 balles. Est-ce qu'on peut acheter un truc? Je pense pas, comme déjà le cours de danse est à 5000 balles. Après, c'est 10 000, payer les frais de transport. Ok. Ok, donc 10 000 pour payer les frais de transport. La semaine prochaine, on va dire à peu près. Pourquoi pas marocain? Le joueur? Bah parce que c'est. Ça a été choisi déjà, ça, il y a 3 semaines. Il y a 2-3 semaines déjà, ça a été choisi que ça allait être un anglais. Son nom, j'ai regardé ce matin dans le jeu noté. Si c'était un anglais, ça a dû être choisi. Ça a été choisi. On va voir si ce changement va leur permettre de prendre l'avantage. Ah, Omar. Et qui était anglais, c'était choisi il y a 3 semaines. Et puis son nom a été choisi il y a 2 semaines. C'est pas bien dégagé, du coup, il faut faire attention derrière. Voilà. Donc c'est pas grave ce matin qu'on a choisi. C'est pas toi qui étais là tout à l'heure sur le live. Mais c'est pas sur le live qu'on a choisi. Quand j'ai lancé le live, je savais déjà comment il allait être. Pour obliger l'adversaire à monter. Quelle nationalité il allait être. Ouais, mais excusez-moi, vous entendez bien au marque cette fois-ci. L'OL qui peut se projeter dans le camp adverse. Oh là 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 là. Ce but encaissé doit maintenant les réveiller. Allez, let's go. Il faut changer l'attitude, c'est indispensable. Quand tu délaisses complètement bien, l'initiative à l'adversaire, c'est logique que tu sois en souffrance, à l'agonie pour défendre et que tu cèdes. Avec le recul, on voit effectivement que le ballon a bien été touché, dévié par le gardien, mais ça n'a pas pu empêcher le but. Est-ce que vous entendez bien, Omar? La vidéo elle est sortie. 1-0 donc. Merde. La vidéo elle est déjà sortie. Attendez, enfin attendez. Ok, c'est bon, je l'ai gardé. Wesh, la vidéo elle était sortie. Non, c'est bon. Tu as quitté le live? Ok, bah vas-y, Gagitos. Ciao mon ref. Au tableau d'affichage. Ciao. La vidéo en fait confirmé, début, c'est donc Arsenal qui met la main sur ce nouvel élément. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. Et j'espère surtout que cette adaptation soit rapide, efficace et belle. Pour aller fixer dans l'axe. Oh oui, la frappe. Et c'est pour le gardien sans trop de difficultés. Le ballon change de pied. À la réception, Paqueta. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ok. Le Daniel. Ça veut quoi? Ah, le ballon est contré. Je suis en train de crier, ce corner, c'est une opportunité pour revenir dans le match. Ok, oui. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le corner. Oh, la frappe. Et oui, but. L'égalisation. Voilà un match enflammé. C'est pas possible. Ça veut quoi, Daniel? Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Je suis avec Paris Saint-Germain, supporter du Paris FC et du PSG. Ok, t'en es où avec ta carrière? Ballon dangereux en profondeur. Et hors-jeu là, signalé sur cette passe en profondeur, dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Comme ce soir. Et le changement est demandé et il a lieu. Ce soir, il y a Nice Paris aussi. Ou tu parles de la vraie vie. Ça repart pour Lyon. Tu parles de ta carrière ou de la vraie vie? Si tu parles de ta carrière, c'est comme... Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Attention! Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Et tout le monde met les drapeaux anglais.
Et il les sort pour la première fois. Il y a beaucoup de qualités dans son but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Ils ont un drapeau anglais pour James Wood. Les mecs, numéro 44. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Ouais, je pourrais te mettre drapeau, mais ils deviennent tout noirs. Et là, je vois des drapeaux noirs, genre comme des drapeaux de pirates. Maintenant de la rencontre. Sauf que les drapeaux sont tout noirs. Il n'y a pas de coupe de mort ou comme ça. En tout cas, merci à vous. Et oui, le nouveau but, pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité. Tout est à refaire. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ouais, super geste défensif, sans commettre de faute. Tant mieux, j'ai pas le cardio de Louis Conte. Là, je suis parti. Vu le contexte dans cette rencontre, un but maintenant, et c'est la victoire assurée. Oui, c'est bien fait. Goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Merci, mon ref. Et ballon récupéré sur cette action. C'est qui le 10? C'est Paqueta. Ouais, c'est bien vu cette passe. Un bon jaillissement pour bloquer le centre et éloigner le danger. Comme c'est Alexandre Lacazette. Lacazette qui est la première. La grosse opportunité, attention. Et je crois que Paqueta a pris le 10 dans la vraie vie quand on casse Paqueta. Pourquoi les drapeaux sont noirs? Je sais pas. Je sais pas du tout. Toi aussi ça te fait ça? Et voilà, ça sort en touche. Même moi ça me fait ça, je sais pas. Alors moi, c'est comme les drapeaux pirates. Pour réaliser un changement. Parce qu'il n'y a pas de tête de mort, c'est juste le drapeau et tout noir. C'est tout. Et la possession leur échappe. Oui, ça me fait ça. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Attention à ce tir. Merci. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Bon, sans problème pour Anthony Lopez. Tagliafico. Ah non, c'est un ballon perdu par Lyon. Pourquoi il m'armait aussi vite? 2 minutes additionnelles minimum. Et oui, elle est bonne cette passe. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le commentateur? Le ballon en touche. C'est moi tout ça les mecs, parce que c'est important. Tagliafico. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Lyon s'impose le coup de la finale dans cette rencontre. C'est donc un succès pour l'Olympique Lyon. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand chose. Désolé pour le retard. T'inquiète, mon City. C'est un ballon intercepté. L'OL qui peut se projeter dans le camp adverse. En ce moment, t'as pas plus de... Ewen, pardon. Avec les contestants, on se sent pas.
Moi, attends, t'abuses. Mais je vais descendre un peu si tu veux. Je vais descendre un peu. Les commentateurs étaient à 8. Je vais les mettre à 6. Je vais les mettre à 6 si vous voulez. Tac. Et ça à 5. Tac. Bon, on est meilleur buteur. Donc bon. Ensuite, prochain match contre Celta Vigo. Prochain match contre Celta Vigo. Pour le club et le pays, bienvenue au club. Ma carrière. Ça n'a pas changé. On gagne 5300 par semaine. On vaut 6 millions. On gagne 5000 par semaine. Bon, c'est carré. Hein. Fiable. Je suis 40% solitaire, 24% fiable, 32% virtuose. Ok, ok. Dans les entraînements. Bon. Pas que je voulais aller. C'était là. Les entraînements. Tac, on est niveau 5. Tac. Donc, je vais direct les mecs dans ma progression. J'améliore le mauvais pied. Ouais, non, attendez. Ah, peut-être je vais y mettre dans le dribble. Peut-être je vais y mettre dans le dribble. Dribble, voilà. Ça, en plus, on prend plus 1, 71. Voilà. Non, mais... Attendez, attendez, et dans activité. Et je suis perdu tellement ça a changé. Tac. Il faut quoi? Il faut 50 000 euros, frère. Je ferais ça à point fiable. Mais il faut 50 000 balles. On en est loin encore. Et c'est quoi le truc le plus cher? Investir dans un équipement sportif. Et là, c'est une piscine. Quel est le plus cher? C'est... équipement sportif. On est titulaire. On est titulaire. On est titulaire. C'est carré ça. Il manque 44, 71 de gêne. Sur FIFA, je mène 2-0 contre Monaco. Et GG. GG Daniel. Non. Lopez, Lopez, Lopez. Merci. Ok, t'as. Tu prends, tu le... Tu le gobes. Ça, pareil. Ah là 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 là. Bien joué, Lopez. J'aurais pensé qu'il allait frapper de l'autre côté. Mais bon. Let's go. J'en ai loupé que 20.
Ah oui. Bonjour tout le monde. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez mieux, Yannick? Est-ce que vous m'entendez dans les mieux tribunes de la Bay Arena. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Dernière rencontre dans cette phase de poule d'un tournoi d'avant-saison passionnant. La team Dada, on le devine déjà dans la c'est bon, les mecs, vous m'entendez bien. C'est un match magnifique qui s'annonce. Pour l'instant, la priorité, c'est de finir cette phase oui, de bon groupe le mieux possible. Okay. De proposer un football inspirant carré, pour carré, gagner carré, en confiance et consolider moi, les fondamentaux aussi bien avant le début de saison. Oh, le tac pas bien maîtrisé, évidemment, oh, il y a faute là-dessus. Je n'ai pas qu'à t'aider 5 du coup comme j'avais pris le 10. Moi. Et déjà, un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. La frappe avec quel but, personne ne l'a vu venir. Oh le gars, tu tires de loin. La tire de loin, quoi, t'es le meilleur. Merci, 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 ça fait plaisir. À aucun moment on s'imagine une frappe de si loin. Merci, ça me fait vraiment temps, plaisir. C'est cet effet de surprise qui est très ouais efficace. Bah, Erwan, Erwan, je te dis Erwan, je crois. Je crois que j'ai dit oui, Erwan. T'es moi habitué de dire Erwan. Et merci Erwan, en tout cas. Ça me fait vraiment super plaisir. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et merci pour tes drapeaux. Merci pour tes drapeaux, mon petit ref. Ah, c'est une transmission puis, bien coupée. On prend Erwan, Erwan qui est parti manger. Lucas Paqueta. Erwan qui est parti manger, qui devrait peut-être. Allons vers Cousteau. Ici, 20-25 minutes peut-être. Il ah, y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, c'est laisse l'avantage. C'est toi, quand on mange tout seul, on mange 10 minutes. Et quand on mange en famille, on mange. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque minutes, maintenant. Et quand on mange vraiment en famille, genre, tout le monde. Les cousins, très les bonne tous, intervention, mange, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. Et la avec ton père, tes frères, prime tes soeurs, sur la radar, et ta mère. Ça, c'est combinaison, ça joue en deux temps. Quand t'es tout seul, oh, tu attention une à ce centre. La défense une prend le dessus. Le danger est écarté. Voilà une bonne défense. Même en les gens ont fait des bails quand même. Même en les gens ont des gars. Je vais essayer d'être sur tous tes guys pour être modo. Bah ça c'est toi qu'on a les clés. Hein. Il faut être là sur les vidéos aussi. Pas que sur les lives. Hein. Pas que sur oh, les lives, pas sur les vidéos aussi. Eh ben non, parce que quand t'es devenu modo, c'est que t'étais là sur les lives, sur les vidéos. Comme Erwan, comme Korev Gamer qui est devenu modo. Comme Noah James qui est devenu modo aussi. Karl Toko et Kambi. En tout cas, je crois que sur la chaîne, il y a possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense sur la adverse. Chaîne, il y a 6 modos. Le ballon dans la profondeur. Six l'attaque bute sur une défense bien en place. Puis après, c'est toi qu'on a les clés. Ouais. Si t'es là sur toutes les lives, toutes les vidéos, t'inquiète pas, je le verrai et tu deviendras. Et tu bah, redeviendras modo. Bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher des si t'es là que sur les lives, tu seras pas modo. Si t'es là que sur les vidéos, tu seras pas modo. Il faut le mériter, être modo. Les ballons dans la profondeur. Faut le mériter. Et puis, Yewen, t'inquiète pas, t'es pas le seul à qui t'a enlevé le poste de modo. T'es pas le seul du tout. Atis aussi n'est plus oh, modo. La tentative qui était modo avec toi. Oh, là, 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 qui était modo là, là, en tant que toi et qui n'est plus modo. Atis est comme toi. Ce but qui vient de nulle part, une frappe. J'ai dit ça après, il vient plus du tout. Donc, lui, s'il vient plus du tout, bah, il serait plus jamais modo. Oh là 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 là. Beaucoup de conditions. Oh la frappe. Oh la frappe extérieure incroyable. Il commence déjà à nous faire des données par contre. C'est trop. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois plus. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. La possession est en faveur de l'Olympique Lyonnais et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction. Non, de c'est pression, pas lui, il y a à remettre. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Bien joué, mon ref. Bien joué, Tagliafico.
bien joué dans la profondeur. Oh là là. Ouais, la bonne transmission dans l'espace. Super l'intervention. Intervention de merde parce que je fais une passe de merde. Donc, c'est pas bien, troisième, ouais, tranquille. Voilà, le changement de rythme, c'est bien tranquille, fait. Ça va. Et toi? Et toi, t'es en quelle classe maintenant? Et voilà, oui, la preuve qu'ils t'es en quelle classe maintenant Le match c'est reprend, le score est maintenant de 2-1. Gusto, Diomandé, bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Bonne intervention. Et moi le ballon est repris. Ok, je vais finir. Ok, ok, ok. Et toi, du coup, ça se passe bien à venir. La CM1. Ta prof est gentille. Ma CM1, toujours maîtresse. Ta maîtresse est gentille. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Est-ce que t'as des potes dans ta classe? Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Tu peux pas passer une super année si t'as pas de potes dans ta classe. C'est... Après certes que t'as plus de chance de faire des conneries et ton pote avec tes potes dans ta classe, mais... Enfin, tu peux faire une belle année, genre quand t'es pas avec tes potes en parlant de notes et tout. Mais genre une bonne année, ça, genre en parlant d'ambiance et tout. Tu peux pas avoir une super ambiance, une bonne ambiance quand t'es pas avec tes potes. Parce que moi, une dernière, j'étais pas avec des potes. Enfin, j'étais avec des potes. Et genre, il y a des potes. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Deux personnes que je connaissais déjà. Et qui sont toujours mes potes maintenant, et qui étaient mes potes quand la semaine dernière. Attention pour égaliser. Et deux personnes que j'ai appris à connaître l'année dernière, quoi. Alors que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on était dans le même collège. Mais j'ai appris à les connaître. Le corner bien tiré. Et aujourd'hui, l'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et là, cette année, j'ai que des potes dans ma classe. Cette année, j'ai une classe de baiser. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Cette année, j'ai une classe de ouf. Mais c'est vraiment réel. Du mouvement pour exploiter ce ballon. Cette année, j'ai une classe de dingue. Yo, pourquoi drapeau noir? Non, c'est un bug, Erwan. C'est... Essaye toi de mettre moi et Erwan quand, à chaque fois. Erwan et moi, quand on met des drapeaux en anglais, ça met des drapeaux noirs. C'est une très bonne affaire. Mais je sais pas pourquoi. En fait, moi, je vais dire très bien, j'ai une remplaçante. Tous mes potes. Et en voisine, j'ai une bavarde. Faut pas non plus trop bavarder. C'est bien joué, il y a une bonne progression. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ballon dans les airs pour alerter Karl Toko et Kambi. Ça sort des limites, c'est une touche. Toi, essaye de mettre des drapeaux anglais. En tout cas, Ewen et moi, quand on met des drapeaux anglais, ça marche pas, ça fait des drapeaux noirs. Donc, toi, essaye de. Passage ça marche. Bon placement entre les deux. Ballon récupéré. Ça marche. Bah non, ça marche. Il y a un contre possible à jouer. C'est simplement YouTube qui veut. Ça marche pas non plus. Et le contre était intéressant mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Lucas Paqueta. Ballon sur Alexandre Lacazette. Et l'arbitre qui intervient pour signaler ce hors-jeu. Ce n'est pas très bien joué au niveau de la passe. Il aurait dû temporiser un peu plus. Alors peut-être que le joueur pensait que l'arbitre l'avait oublié. Eh bien non, carton jaune. Ah, peut-être. Le duel pour récupérer la balle. Peut-être. Mais si genre tu veux dire juste quand on met le drapeau anglais, ça marche pas? Attends, mais je vais mettre un drapeau français. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah ouais. Drapeau français, ça marche. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Il a peut-être raison. Ouais, bien fait. Bonne intervention. Là, j'ai mis un drapeau français, ça marche. Et t'as... Ah oui, tout à l'heure Ganito s'il a mis un drapeau marocain, tout à l'heure ça marchait. Bon, je voyais son drapeau marocain. Ouais, bah je pensais ça, Erwan. Ganito, tout à l'heure il a mis un drapeau marocain pour me dire qu'il était marocain. On l'a vu son drapeau. Ah, bien frappé, ce corner. Là je mets un drapeau, je mets trois drapeaux français, on voit les trois. Ah, il y a un contrat joué maintenant. Donc c'est à cause de la reine.
Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. De la main, là. Il y a ça, je pense. Voilà la balle de match. Je pense que t'as rien. Ouais, très bonne défense là-dessus. J'en dis là, je suis la bonne, je suis le gros cœur. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes marocain. De jeu. Il est transformé en mon joueur en marocain. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. D'ailleurs, on a changé de numéro. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Numéro durant ton absence. C'est pas fini. Peut-être une occasion d'égaliser sur cette. Après, le ralenti est tombé. Qui est tombé? Tu parles là, là? Ici? Sur cette action-là? Ah ouais? Ah ouais? J'avoue. Dernière attaque. Les feintes. Accident. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Oh, la frappe. Ah non, c'est contré. Impeccable cette intervention. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Lyon s'impose sur la finale dans cette rencontre. C'est donc un succès pour l'Olympique Lyonnais. Ce but d'écart, c'est le reflet de cette toute petite marque. Troisième match en tant que pro, il a fait que deux matchs remplaçants. Et puis il était titulaire. Incroyable. Incroyable ce joueur. J'ai déjà fait une remontada en rival. Sur Ultimate Team. Ah ouais. Yo Matondo. Ça vaut quoi Matondo? Oh. Homme du match. Homme du match, on est titulaire. Premier match titulaire. Bah. Homme du match. Pour un premier match titulaire. Il joue sur le côté, ouais. Ouais. Oh, il y a une photo à prendre. Oh, il y a une photo à prendre. Pour les mignons, les mecs. Je peux vous dire qu'il y a une photo à prendre. Déjà ça. Restez où si t'as la une. Sur la compétition, c'est déjà James Wood. Ah, c'est là. Ouais, mais... On voit écriture, donc c'est en noir. Enfin, c'est un peu noir, si. Le truc, on voit écriture, c'est sûr. Là, les mecs, la vidéo de la présentation des débuts de James Wood sortira en fonction de quand j'aurai la mignon. Je vais peut-être mettre le match sur YouTube. Ok. Bien et toi, bon ça va tranquille hein, Matondo. Avec Paris, je vais recruter CR7. Et ça fait bizarre de plus te voir en bleu. Il y a du changement. Il y a du changement, mais bon, si tu fais le taf... et ouais, si t'es là et tout, tu peux regagner ta place de modo. Hein. Enfin, comme je te l'ai déjà expliqué, même quelqu'un qui a été enlevé modo 10 fois, s'il fait tout le taf, et puis s'il s'excuse et tout, enfin, si bah, là, t'as pas à t'excuser, ouais, mais si jamais quelqu'un fait des conneries, qui s'excuse et qui est là tout le temps, qui se touche pas, qui charbonne, il peut redevenir modo. J'ai déjà mis des beaux buts avec Conseil dans ma carrière avec le Real. Ok. Moi, nous, on joue à la compétition. C'est carré. Les mecs, avec l'argent, j'ai même obligé le junior devenir milliardaire.
avec l'argent que j'ai là, devenir milliardaire. Je vais essayer d'être là, mais il faut que je reçoive les notifs. Ouais, tu m'as dit que tu n'avais pas reçu les notifs tout à l'heure. C'est bizarre, hein. Ça, je sais pas du tout pourquoi tu reçois pas. Calendrier de seconde prochain match. Ah bah c'est Brest, c'est direct la Ligue 1. C'est direct la Ligue 1. Du coup, t'en penses quoi de notre nouveau numéro, Erwan? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire plus réaliste. T'en penses quoi de notre nouveau numéro? Bon, je crois que je l'avais déjà dit, hein, avant que tu partes, quel numéro on allait prendre, mais... Du coup, ça le fait peut-être un peu plus. Oh non! Puis quand je vais prendre la photo, ça bug. Enfin, ça change. Tac. On envoie... à Ilias et Chavi. Salut mon cunien. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, le mancunien? Lire le livre d'une légende du club. Terminé. Une légende du club de l'Olympique Lyonnais, mec, vous savez, c'était qui? Moi, je vois bien un petit Juninho. Je vais essayer de me désabonner et de me réabonner. Vas-y, essaye. D'ailleurs, les mecs, en parlant d'abonnement, s'il y en a qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, les refs. S'il y en a qui sont toujours pas abonnés et qui sont là, qui sont présents, abonnez-vous, les refs, abonnez-vous. Ça me fait vraiment super, super, super plaisir. Moi, j'aurais fait 23 mercredi. Ok. Ça devient concret. Tes performances ont été vraiment impressionnantes en intersaison. Je vais te titulariser pour le prochain match. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. Les mecs, on est en 2004, hein. C'est incroyable. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Bonne chance, cordialement, manager. Oui. Parce que oui, les mecs, on est anglais, donc on a été formé à Newcastle. Bon, pour vous dire à peu près toute l'histoire. Merci de ce message, Gob Gamer. Je vais l'épingler. Mais déjà, les mecs, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne secondaire, pour l'instant, c'est toujours mieux de s'épingler. Allez vous abonner. Et donc, pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, notre joueur James Wood est anglais et pas français. Donc, il a été formé à Newcastle. Il est arrivé à l'âge de ses 10-11 ans à Newcastle. Il a été formé à Newcastle et désormais il est à Lyon parce qu'il n'a pas réussi à commencer à Newcastle. Il commence pro à Lyon, il a déjà fait sa première titularisation à Lyon. Donc voilà. Voilà, voilà les refs. C'est parti. Avec la petite cinématique, c'est parti, allez. Je vous laisse, je me fais devant cette cinématique. Très bien. Eh, ça te fatigue pas trop? Et oui, les mecs, ça y est, titulaire pour ce premier match de Ligue 1 dès le début. Je vais manger à tout à l'heure. Vas-y. Vas-y, Ewen. Tout à l'heure. Et oui, les mecs. On est parti. Wood titulaire, yes.
et let's go. Déjà les mecs, pour ceux qui n'étaient pas gravants, on a déjà fait 3 matchs. Les 3 matchs d'intersaison. Enfin, les deux premiers matchs, on n'était pas titulaire. Les deux premiers matchs, on les a fait remplaçants. On est rentré à 80e, je crois, et 60e. Et après le troisième match, on est titulaire. Ça, c'est le Tavigo. On a mis 7 buts en 3 matchs. Incroyable. Et avant, j'étais en champion. Premier match, j'ai mis 2 buts de passe en champion, donc je suis passé en légende. Et après, en légende, on continue à faire incroyable. Salut à toutes et à tous. T'as essayé de tirer avec un erreur. Non, pas essayé. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. La Ligue 1 Uber Eats qui commence tout juste pour les deux protagonistes de ce match. Mais pas on peut voir. Que tout le monde est impatient de voir débuter cette finale. L'objectif des qualifications en Ligue des Champions, c'est énergissant pour cette équipe. Donc pour ce premier match, victoire obligatoire. L'objectif c'est se qualifier en Ligue des Champions, bien évidemment. Allez, c'est parti, allez. Le coup d'envoi de ce match avec l'Olympique Lyonnais. Allez, on est parti. On est parti. Allez, sous la pression, bonne couverture de balle. Allez, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Là, je tombe pas plus vite, mon ref. Les mecs, ce soir, Nice Paris. Alors, on signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de l'AC Ajaccio. Un but à zéro, donc ce match qui a commencé il y a 2 minutes. Merci, et tenez-nous informés de la suite. Si j'ai été au stade, je pense demain. Je pense que vous verrez demain si j'ai été au stade. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Si une vidéo, c'est que j'ai. Enfin, s'il y a une vidéo, mais ça qui parle de ça. Si une... Et bien si fait, attention à l'occasion. Si vidéo, et le but si pas... Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le but en match. Let's go. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Première titu en Ligue 1. Premier but. Il protège bien son ballon. Ça fait plaisir. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Merci. Sur le côté, l'OL a de l'espace. Le bon centre, deuxième poteau. C'est quoi ce jeu? C'est capté, là, sans trop de problèmes. Je pense Nice 1, 3, Paris. Ok, mon finir, on verra. Est-ce que tu as voté dans l'onglet communauté? Est-ce que j'ai mis hier soir? Parce voilà, j'ai mis un truc dans le commentaire à propos de Paris-Nice hier. Et c'est une remise en jeu à venir. Enfin, hier soir. Ouais. En début de soirée. Il était je sais pas quelle heure. Là, ça doit faire maintenant 15h, 16h que j'ai mis. J'étais quoi? Et c'est récupéré ça. Il était 20h, 21h. C'est pour ça qu'on a pas joué. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ah, la bonne frappe! Il va la chercher. Merci pour les drapeaux, mon pignon et les grave gamer. En fait, les drapeaux anglais, c'est des drapeaux tout noirs à cause de... Enfin, avec la mort de la reine d'Angleterre. Likez les BG. Yo, short of type. Likez les BG et surtout, bonne vidéo, Natinox. Je voulais dire, bon match. Ouais, parce que c'est un live, moi. C'est un live, et merci. Un corner qui est bien ajusté. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Pour l'instant, on a James Wood. Il fait le taf pour son premier titu en Ligue 1. Premier match de Ligue 1 déjà, ah, première titu. Déjà, ça c'est incroyable. Après 7 de notes,
C'est lui qui marque, on gagne 1-0 pour le moment. Re-run. J'essaie de faire trouver un emoji. La passe en profondeur était dangereuse, c'est intercepté. Ouais, mais quoi? Les stats montrent que l'OL n'a pas le ballon et sa possession. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir après, le ballon après, tout moi, le temps pense, pour être dangereux. En vrai, ce emoji, compte, je pense direct aux emojis. Attention, genre, c'est chaud là. Mais sans tête, on pourra faire quand on connaîtra déjà sa personnalité. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement multiplier le match pour éviter les catastrophes. Ce but aurait pu tout changer. C'est ce qui doit sévir le coach. Quelle déception. 6,9 de notes. On descend. C'est mauvais. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Bon pressing, très bonne récupération. Non. La place pour tenter sa chance. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas calé. On se demande pourquoi choisir la force quand on est si prévu. La faute était commise en amont de cette action, mais l'arbitre est bien revenu dessus. Oh, tu connais d'où t'es chez Junior, le Mancunien. Ah, on dit qu'un but vient d'être inscrit au stade Vélodrome. Oui, oui, il s'agit du premier but pour Marseille. Un but d'Alexis Sanchez. D'une belle frappe lointaine. Un but à zéro donc. Alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Ok, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Dépossédé du ballon. Mais toi, je sais. Si vous connaissez, je pense que vous connaissez bien. Ouais, bien fait, il est passé. Eh oui, il s'est bien jailli là en soutien. Le ballon récupéré. Je crois plus. Ah, il y a un contrat joué maintenant. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Bon bah là, 7-5 de notes, même premier objectif, on n'y est pas. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. On est loin encore, les gens ont essayé 7-5. On est à 0,5 de 7-5. Et 9. Ah, c'est une pression, mais excellente couverture. On a 2 points de 9. Hein. Ça va être chaud. En champion, les mecs, après, je peux avoir 9-10 à chaque match. Mais c'est pas ça mon objectif. Toko Ekambi. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. C'est vraiment de... Parce que si, enfin, je peux être en champion et avoir la projection dans le camp de l'adversaire. Bah, le premier match, déjà première situation, on commence sur le banc. Sans problème pour Anthony Lopez. Premier, où je suis en champion, je termine avec 9-8 de notes. Je rentre à la 70e, 60e. Et puis je mets 2 buts dépassés. Ouais, bonne intervention. Ah, voilà. La direction d'Arsenal, il travaillait depuis quelques temps ans, et l'opération est maintenant bouclée. C'est de faire des dingueries. C'est la fin du oui, c'est un renfort un but, très important pour cette équipe. On a hâte de voir incroyable. Ça. Mais deux buts de passé pour le premier match, première situation. Voilà. Ça fait pas trop réaliste. La c'est casette. Pour ça que je suis passé en légende. Ouais, c'est bien vu, dans le dos des défenseurs. Et en légende, oui, je sais que je vais galérer. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade. Là, vous voyez là. Mais en légende, je sais que je vais galérer. Déjà plus qu'en champion. Nous sommes dans les je peux gagner de la rencontre. Mais je sais que je vais galérer. Ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Les scripts et tout, c'est pas dit que. On fasse des plein d'égalité ou de belles personnes. Dans la carrière. Il faut maintenant réussir à créer le danger. Tu veux essayer de réussir. Bah, je pense. Hein. C'est contré sans problème. Trois jeux, c'est pas vrai. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Je pense que bonne intervention en soutien sur le ballon. C'est récupéré. C'est pas copyright, mais si. Mais si c'est pas copyright, s'il y a aucun problème. Non, moi il devrait pas y avoir de problème. Si jamais il y a un problème, bah, je pourrais pas la laisser. Mais s'il y a pas de problème. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est bien, sorti. S'il te plaît. Arrêt de jeu et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. On va faire ça. On va faire ça. Fin du match, fais-moi penser.
Corentin Tolisso. Et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble, ce rendez-vous de Ligue 1, l'OL affrontera Montpellier. Quand on... Je vous coupe, mais c'est chaud là. Bien joué, super intervention, le danger était imminent. Wood le crack. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Wood le crack. Craqué. Ballon c'est... intercepté, bonne intervention. C'était boité. Ah non, ce centre ne passe pas, c'est contré. Non, ah, c'est pas là, je vais mettre. Bien coupé. Ça joue avantage. On s'y fout. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Oui, c'est ça va suffire. Un bon arrêt du gardien. Est-ce que le peloton l'action s'est développée, mais ce carton jaune n'a pas été oublié par l'arbitre. Je me crois dans Olivier Tom. Quand je vois le gros zoom comme ça. Qui a arrêté, je me cours. Tiens, il est en ligue et tout. On va faire le tir utile. Attention à cette occasion. Ouh, la parade incroyable. Merci pour Lopez. Réserver l'avance Merci de son Lopez. Équipe. C'est un arrêt qui vaut un but, ça. Au même deux d'un coup. Et tous les classico. Ouais. Alors, je pense que c'est pas dans la vie. Hein. Bah, non, on est arrivé dans le mois des classico. Dans 16 jours. Dans 15 jours plutôt. C'est Cornea. Ah oui, quelle occasion. Et tous les ans, il y a un truc comme ça, donc tu sais, ils font exprès. Ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Ils font exprès, parce que tous les ans, il y a une journée comme ça. Où il y a Real Barça, où il y a PSVOM, et il y a un gros choc en première ligue. Là, c'est New York City. Et derrière, je crois qu'il y avait un... Chelsea, Liverpool ou un truc comme ça. Si c'était pas City. À la casette. Si c'était pas City. Je vais me retourner pour faire la passe. Si c'était pas City. Bon pressing. Et un ballon pour les bras du gardien. Donc voilà, on va le gagner par lui. Il faut une minute de temps additionnel. Alors, toi, t'es confiant. Au Parc des Princes, c'est la fin de la rencontre. Et voilà donc bon, alors, une bonne victoire pour l'Olympique Lyonnais. Alors là, la victoire, c'était l'objectif. Tout le monde a répondu présent, ouais, c'est l'essentiel. C'est pas que vous avez pas trop au Parc des Princes. L'Olympique Lyonnais vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Je pense pas. C'est bon. Mais bon. Mais après, si on perd, ça serait notre première défaite de la saison. C'est pour ça que je suis confiant. Bah, nous non plus, on n'a pas perdu. Vous n'avez pas perdu, mais nous non plus, on n'a pas perdu. Acheter un matelas. Acheter une loge VIP à 15 000. Bah, c'est carré, hein. À 15 000, on fait notre... personnalité 51% solitaire, wesh, 51% solitaire, on est grave solitaire en fait, on est grave solitaire. En fait, nous on entame un marathon de 11 matchs en un mois et demi avec que des gros matchs. Ouais, nous aussi on joue beaucoup. Je te rappelle que vous entamez tout ça parce que vous avez joué avec des champions, mais nous aussi on jouait avec des champions. On jouait même, tu vois, avec des champions et la Ligue 1. On jouait les mêmes choses. Et la Coupe de France, après, pour nous, enfin pour nous deux, pour les deux clubs, on arrivera
Décembre, janvier. Oh, Lyon OM. Lyon OM. Les mecs là, je vais bientôt aller manger. Nous on joue pareil, Lyon, c'est Lyon Monaco. Les gars, dimanche à City Monaco. Je pense qu'il y aura un nul. Ouais, désolé, mon Cunien. Mais je vois victoire City. Les mecs, moi je vais bientôt aller manger. Ma mère vient de rentrer. Donc je pense que ça s'est entendu. Ma mère vient de rentrer. Donc dès que c'est prêt, et ben, je dois aller manger. Et après, je pense pas refaire un live. Peut-être, mais je pense pas refaire un live. Ça fait 1h40 qu'on a lancé. J'ai pour toi. Bon, après, je serai content pour toi, toujours. Moi, je suis pour aucune équipe là, dans les deux. Après, je serai content pour toi si Manu gagne. On y est, et évidemment, c'est une affiche qui fait rêver tous les amateurs de foot. Un match dont on parle depuis un moment déjà. Restez avec nous, ça démarre tout de suite. Du coup, voilà les mecs. Bienvenue à toutes et à tous dans la banlieue lyonnaise. Ce soir, nous sommes au Groupama Stadium. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. Et on le sent déjà à l'ambiance générale. C'est une très belle rencontre. Une prestation intéressante de l'OL pour commencer la saison. Une victoire pour commencer la saison, c'est l'idéal. C'est ce que tous les supporters attendaient. Parce que maintenant, il faut continuer sur cette dynamique. Hier. Ah, il y a de la liberté, la pour l'OL sur l'aile. Ah, il y a la place pour une frappe. Que... Et bon passant, ça part merci. Vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu et déjà un but. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Je vais aller jouer avec mon frère. Comme il y avait en fait, t'es toujours là. Tu parles pas beaucoup en fait. Tu parles pas en fait. Tu parles pas du tout. L'engagement est donné par les Montpellierains, il faut réagir après ce but encaissé. Après peut-être un autre live, mais dites-vous dans votre tête pour pas être déçu. Dites-vous, il n'y a pas de live. Savanier. Dites-vous, les mecs, quand j'arrête pour aller manger, c'est la fin, il n'y aura plus de live après. Dites-vous ça. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Après, parce que si on n'a pas, vous allez être déçu. Et oui, but ! L'égalisation ! Voilà un match enflammé ! Voilà. Dites-vous, à le score de parité est donc un partout. Si on a un, vous serez super content. Et si on n'a pas. Vous ne serez pas déçu. Parce que dans votre tête, vous serez déjà dit qu'il y en a pas. Dépossédé du ballon. Ce qu'on te dit après toujours, mon frère. Après manger. Et après manger. Coco et Cambi. Je joue avec mon frère, je pense. Et l'OL qui va mettre en place une attaque. Il va faire son ultimate team. Parce que surtout les FIFA, c'est lui qui fait surtout ultimate team. Et moi, je fais carrière. Très bon timing ça, sur cette interception. Fait une fête, hein. Et fait. Et moi, c'est de fait Timothy, bon, fait pour les deux, mais c'est lui qui fait le plus. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Magnifique intervention défensive, le ballon au corner. C'est nous deux, mais plus lui. Le corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et puis Volta et tout, si on fera, ça sera bon. J'ai pas activé les mains. Il s'est dégagé en corner. C'est vrai. J'ai pas activé les mains, j'ai oublié. Un corner qui est bien ajusté. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. J'ai oublié d'activer les mains. Nordin. Faites-moi la balle après. Change de camp. Oh non, non, je regarde le chat. Le chat, j'ai perdu la pression et le ballon est bien protégé. Après les mecs pour c'est Montpellier qui va mettre en place une attaque. Allez, le ballon vers la surface de réparation. Ce ballon dévié par le premier rideau défensif. Et le pressing sur le porteur. Sur le côté, l'OL a de l'espace. Il y avait de l'idée, mais le ballon ne redescend pas assez.
parfaitement pensé pour les bons. Kayev. Nordin. Et le ballon est finalement intercepté. Mia. On fait pas un mauvais match. Hein. On gagne pas. Alors on essaie de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Collectivement non plus, collectivement on domine. Enfin on domine. Non, collectivement c'est un peu équilibré. Malo Busto. Mais en tout cas individuellement on fait pas un mauvais match. Ça je peux souligner. Je peux retenir. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. C'est bon. C'est pas un match non plus de grand génie. C'est pas un mauvais match. Sinon demain vidéo ou pas? Ouais, bah déjà vidéo à 18h aujourd'hui. Déjà vidéo à 18h aujourd'hui. Et attention à cette frappe. Elle frappe contre. Et puis demain, ouais, attendez. Je vais faire un truc. D'ailleurs en parlant de vidéo, je dois faire un truc. Faut que je regarde. Donc ouais, normalement vidéo demain. Normalement déjà vidéo ce soir là, 18h, ça c'est sûr et certain. Ensuite la vidéo ou les débuts de James Wood sortira quand j'aurai la Minia. Quand j'aurai la Minia pour James Wood. Et puis demain, une vidéo sur James Wood encore. Donc voilà, voilà. Non répertorié. Ok, c'est bon. Ok, je note 18h vidéo, ouais. Par contre 18h vidéo là c'est pas sur là ça sera pas sur bon, sans souci. Tu vas voir hein. Ça sera pas sur James Wood 18h. Par Jérôme contre Boateng. Peut-être vers 15-16h ou alors ce soir vers 20h. Vidéo sur James Wood. Si j'ai la Minia aujourd'hui peut-être un bon compte à négocier là. Ça sera une vidéo vers et le panneau indique le temps additionnel si une petite minute. Alors allez, c'est donné en profondeur. Ou alors pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Non, t'es, si j'ai aujourd'hui la Minia et puis si j'ai demain bah deux vidéos sûres et certaines sur par Savanier. Voilà. Le ballon dégagé in extremis voilà. Sur la ligne. En tout cas aujourd'hui il y a voilà une vidéo, le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Peut-être ici. Une autre de James Wood si j'ai la Minia. Parce que j'ai envoyé toutes les photos étaient nécessaires aux voilà. Gens qui font les mini habituellement. Donc là c'est bon et puis voilà. Retour des vestiaires, l'Olympique Lyonnais dans cette deuxième mi-temps. Pardon. Je continuerai ma carrière quand je pourrai aller. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, en semaine, je pourrais pas. Ah, c'est une transmission bien coupée. En semaine, je pourrais pas. Parce que la semaine, là, en troisième, c'est trop de devoirs, c'est incroyable. Donc, une déjà, la semaine, je pourrais pas. Donc, peut-être, demain. Eden Hazard a signé à Leicester. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. On espère surtout que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. La projection dans le camp de l'adversaire. Gagne face à Montpellier. Faites attention, on dominait. Et en légendaire, on se fait dominer. Ouais, depuis l'aile, il repique dans l'axe. C'est clairement ça. Oui, la frappe. Après, et oui, gagne le bon toujours réflexe. En légendaire, mais. Enfin. C'est pas comme si je faisais que perdre. Si je faisais que perdre, je serais une carrière de champion. Parce que le but, c'est pas de faire une carrière de merde. Savanier tire son corner.
et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Et les gens, c'est un peu trop dur. Nous sommes dans les 30 ça dernières encore, minutes de la rencontre. Mais c'est un peu trop dur, les gens. Les champions de France, c'est trop facile. La casette. Ouais, facile, ça passe. Et attention, ça peut payer là-dessus. Merci. Et oui, le but, ce but pour merci reprendre le dessus. James cette Wood rencontre bascule le à nouveau. 44. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Allez, c'est parti, let's go. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Jordan Ferry. Let's go. Le ballon finit dans leurs pieds. Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. L'OL affrontera l'Olympique de Marseille. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Bien. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Savanier reçoit le ballon. TJ Savanier à nouveau. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Aucun souci. Tolisso. Sur le côté, l'OL a de l'espace. Il peut frapper. Ouais, bonne intervention du gardien. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Le corner. C'est pas bien dégagé. Du coup, faut faire attention derrière. Un ballon bien stoppé sur cette action. Eli Wahi. Ah, c'est très bien vu, sa magnifique interception. Et pour rappel, on se retrouve bientôt. Ça sera pour vivre un match de Ligue 1. Montpellier affrontera le Stade Rennais. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Allez là, pourquoi pas frapper ? Excellente intervention du gardien. Ouais, il est pas si nul que ça, il a sur Pascal. Non, moi j'aime bien. Après, certes, peut-être dans les coupes de cheveux et tout, il y a moins de en dedans, de cheveux, il y a moins de choix. Aussi, peut-être dans les crampons, dans les coupes de cheveux que sur PS5. Il prend sa chance un peu trop sur le gardien moi, qui s'en saisit sans problème. Il y a les cinématiques de quand tu deviens titulaire, il y a les cinématiques sur Canon Manager quand tu recrutes un joueur, quand tu. Oh, le ballon intéressant. Donc, moi j'aime bien. Pas de beaucoup, meilleur jeu, c'est sifflé. Alors, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Franchement, j'aime bien. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Là, c'est déjà nettement mieux que FIFA. Tolisso avec le ballon. Tous les ans, c'est grave. Tous les ans, il s'améliore. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. FIFA. FIFA, c'est. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Oh, l'égalisation peut-être. Ouh, la parade incroyable, l'égalisation évitée de justesse. Toute son équipe va l'inviter à dîner après le match. Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et coup, c'est le coup de sifflet final. C'est fini. Pour l'Olympique Lyonnais, le plus important est là. C'est ce sont les 3 fini points de la victoire. Tout va bien pour cette équipe. On dit oui au football, oui à la vis et oui au classement. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre.
allez. Encore une match. C'est parti. Qui a mis en ligne Rumsteak et Ousmaestro. PSG 6ème. Nous on est 4ème et le PSG 6ème. Oh, c'est étonnant un peu. Hein. Ça m'étonne. But de la victoire. Voilà. Je prends un peu 50 points fiables. Je passe parce que sinon. Sinon on va pas trop être aimé. Sinon on va pas trop être aimé donc Donc voilà. Allez c'est parti. Sanchez, Lacazette. Hein ? Lacazette il est parti là-bas ? On va le tuer, Lacazette. On va lui montrer qu'il aurait pas dû partir. On va gagner ce match et on va lui montrer qu'il aurait pas dû partir. Je vais gagner ce match et puis je vais lui montrer qu'il aurait pas dû partir. Merde. Oh là là. Ouais, c'est parti, Paqueta. Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous ouais. Impatients de voir cette rencontre débuter. On se retrouve à l'Orange Vélodrome. J'ai lui montré qu'il n'aurait pas dû partir. Nous avec un milieu Tolisso, Paqueta, l'Orange Vélodrome a mis sa tenue de gala pour ce match à très haute intensité. Bienvenue parce dans que cette OM, le match des Olympiques, l'Olympico pour les Arts. Il n'y a pas de football sans cette fête, sans match. Cette communion autour des deux équipes. Et avec ces deux clubs, on est gâté. Effectivement, énormément de ferveur de chaque côté. Ouais, facile, ça passe. Oui, non ! Incroyable ! Elle est dedans. Quelle trajectoire hallucinante. Le FIFA, je pense. Et quoi, de la casette ? Quel volet de canon ! Regardez la trajectoire, on dirait un missile. Qui est réellement parti là-bas ? Oh là là, le petit gars. C'est incroyable. Merci le mancunien. Bizarre, la casette. Bizarre, mais... Après, si on arrive à gagner sans lui, bah moi, ça me change pas, enfin, ça me... C'est pas grave, hein. J'ai parti. Merci mon cuisine en tout cas pour les drapeaux. Allez, c'est parti. Et je sais pas si vous marquez, mais à chaque début de match, on marque. On marque à tous les débuts de match. Dès le début, on marque. Alexis Sanchez. C'est la jeunesse, ça. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Allez, rentrez-lui dedans, les mecs. Rentrez-lui dedans. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. On va t'es parti. On va carré Toko et Kambi. Avec Toko et Kambi. La balle pour Cacré. Cacré, à nouveau avec le ballon. Oui, ce ballon est intercepté. Paqueta. C'était Paqueta, je voulais qu'il me la mette, pas Cacré. Sur les réseaux, dans la presse, merci, on a beaucoup parlé de Lacazette dernièrement. Et c'est la première fois qu'il va rejouer contre son ancien club pour lui, mais aussi pour tout le monde. Ça va être un drôle de moment. Non, je voulais, con la frente marchita, la nostalgie, c'est un sentiment. Regardez, regardez. Et oui, c'est au fond des filets. Qu'est-ce qu'il fait à chanter, leur permet de revenir dans ce match. Omar et Benjamin, c'est de parité pour moi le meilleur coach sur 23. C'est Omar et Benjamin. C'est même pas les modes de jeu et des mecs comme ça. C'est même pas genre qu'on peut utiliser l'argent. Ça, c'est oui, oui, grave bien aussi. Hein. Tout est grave bien. Un but à zéro, donc, alors qu'on joue depuis 15 minutes ici. Merci et tenez-nous au courant de la situation. La passe Garnick.
en direction d'Alexandre Lacazette. La frappe est contrée. Oh oui, la frappe. Mais vraiment, vous dites-moi les mecs, quel est le meilleur truc pour vous? Paqueta. Sur ces 23. Oui, ça y est, on peut le casser. La faute sur cette attaque. Qu'est-ce que va dire l'arbitre maintenant? Et l'arbitre sort le carton jaune. J'ai encore oublié de quitter les mains. Oui, on va c'est faire. Le règlement, c'est normal. On va les faire avant, je quitte les mains. Oh là, la faute. Un coup franc joué dans les pieds. Et il prend sa chance. Ouais, c'est très bien défendu. Il y a rien, arrête un peu. La grosse faute, il y a une tête par derrière. Ballon sur Alexandre Lacazette. Je t'abuse. La passe vers Milik. Ça c'est juste parce que c'est Marseille, c'est tout. Arsenal 1-0. La balle pour Cacré. Arsenal 1-0, c'est la Tottenham. Sur le côté, l'OL a de l'espace. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Cacré avec le ballon. À l'occasion, peut-être ici. À la tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut une grande folie pour jouer au but. Suarez. À la réception, Tchaletacha. Suarez, c'est pas un BU. Il fait quoi là? Milieu gauche ou latéral gauche. Alexandre Lacazette. Enfin, je sais que c'est pas Luis Suarez, hein, mais même Suarez que. Ballon transmis à Lacazette. Valentin Rongier. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'OM. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Aux armes. Cacré. Le ballon sur Toko et Cambi. Nous sommes les merdes de Marseille. Et bien joué dans la profondeur. Et nous avons une intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or. Allez, Paris. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Ballon pour Corentin Tolisso. Nous allons nous faire défoncer. Oui, le tir. Allez, et le gardien Paris. Était bien vigilant. Allez, Paris. L'équipe essaye un corner à deux. Il frappe. Ah, c'est bien joué ce petit ballon placé, mais oh, c'est au-dessus. Dommage. Voilà, c'est annoncé une petite minute de temps additionnel. Et nous allons nous faire défoncer. Allez, et ça y est, c'est le coup de sifflet pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Allez, Paris. Le coup d'envoi de ce match. Non. C'est réel. Le coup d'envoi donc c'est de réel, cette seconde bon, période, le match est très équilibré, reste hein. À savoir si les deux formations vont parvenir pas. À se départager. Il a réagi, il est là. Valentin Rongier. Milik. Non mais c'est réel. Et ça joue sur Sengiz Under. Allez, bon, on n'y arrive pas là. Toujours pas. Avec la casette. 50e minute de jeu. Ça joue sur Jordan Veretout. Sans problème pour Anthony Lopez. J'ai la dalle. J'ai de plus en plus faim. J'entends tout en train de. Malo Gusto. Ça crépite. Ah, jaillissement très haut. Le ballon est récupéré. La passe vers Milik. J'y mets à manger. C'est en direction de Valentin Rongier. Et ça joue sur Sengiz Under. C'est capté sans souci là par Anthony Lopez. Oh non. Paquet, oui, bien fait ça. Le tir. C'est et voilà le but. Revois sur ces images comment le et défenseur ouais. Est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Ok. Putain, j'ai essayé de me faire partir en plus.
J'ai le seum, il faut sortir. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Okay, ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. 6 minutes, la fin du match. Oh, 3-2, dommage. Dommage qu'on va prendre un défaite. Yes. Yes, quand est-ce que je vais sortir? Steak purée en plus je mange. Bon les mecs, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit retour de live. J'arrive. Ce petit retour de live, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, vous abonner. Et voilà. Ciao grave. Ciao. Ciao les bébés.